Avant qu'on commence avec euh, la période euh, des questions des citoyens, euh, le 22 novembre dernier, on a eu la collecte de sang du maire. Euh, ce n'était pas mon, ma collecte de sang, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est la collecte annuelle qu'on fait à Pierre-Fond-Roxboro. On voulait euh, avoir 100 donateurs ou donneurs. On a eu 87. C'est un succès, je peux vous dire, parce que d'habitude, on n'a pas 87, on a 50, 60, 40, mais ce fois-ci, on a eu 87. Bravo. Je félicite les citoyens, je félicite les équipes aussi pour la coordination. Madame Gervais, merci beaucoup pour le travail fait, monter la salle, etc. Nous avons eu un merveilleux spectacle de Noël hier avec la troupe Takadeo qui nous a mis dans l'ambiance des fêtes. D'autres spectacles sont, sont, sont annoncés pour les prochaines semaines aussi, tels que l'orchestre métropolitain à l'église Sainte-Suzanne et des spectacles pour les tout-petits. Et je vais vous dire d'aller chercher les billets le plus vite possible parce que les places sont limitées. Et je peux vous dire aussi à chaque spectacle, des boîtes de collecte de, de denrées non périssables seront disponibles et les spectateurs sont invités à disposer des euh, les pour les démunis. Je vais vous annoncer quelque chose aussi. Euh, Ce n'est pas euh, annoncé euh, vraiment formellement, mais euh, l'année prochaine, euh, on va encourager euh, les gens d'apporter euh, la même chose, mais pas juste pendant la période des fêtes, pour chaque événement qu'on fait à Pierre-Fond-Roxborough. On va avoir, euh, je sais pas, c'est quoi le mot vraiment en français, mais ça serait un food drop zone. Les spectacles, les activités qu'on fait dans les parcs, euh, ils sont gratuits pour la population. Mais pour encourager les gens de donner, on va créer un programme, un projet de sensibilisation pour euh, recevoir des dons pour euh, nos euh, organismes euh, dans la communauté qui aident euh, les plus démunis. Et je peux vous dire, euh, maintenant, les gens sont très, très, très généreux. C'est Noël, je peux comprendre, mais la générosité euh, dépasse Noël et c'est pendant l'année. C'est pour ça qu'on a décidé comme arrondissement de faire le plus possible pour aider euh, les gens vulnérables dans notre communauté. Et euh, je crois, au mois de janvier, euh, on va être capable d'annoncer ça formellement dans les médias aussi pour euh, donner la chance à tout le monde d'être généreux pendant l'année. Nous avons aussi euh, eu le plaisir la semaine dernière euh, d'inaugurer le nouveau bureau Accès Montréal. Pour ceux et celles qui ont eu l'opportunité d'aller voir euh, qu'est-ce qu'on a fait de l'autre côté pour accueillir les gens, on a aussi maintenant le bureau de permis des permis mais maintenant au rez-de-chaussée pour aider les gens, pour donner l'opportunité aux gens de pas juste avoir le permis mais aussi de discuter d'autres choses avec euh, les agents qu'on a sur place. On a aménagé les lieux, on a créé des, des, des endroits plus euh, accessibles aussi pour la population. On a des iPads sur les lieux aussi pour euh, répondre à des sondages euh, et aussi avoir l'information concernant pas juste l'arrondissement, mais les règlements, euh, les choses qui se passent à la ville. On a aussi un écran aussi qui diffuse l'information euh, de l'arrondissement aussi, les spectacles, les choses à venir. Euh, je pense que les gens qui ont assisté déjà, qui ont participé, euh, ils sont très contents de ce qu'on a fait. Je félicite Mylène, Joanne, l'équipe, les équipes euh, en fait, euh, Monsieur Jacob aussi le directeur et le conseil d'avoir euh, au moins prendre la décision et de faire ça. Euh, C'était pas facile. Maintenant avec la nouvelle bibliothèque, on est en train de transformer un peu euh, Pierre-Fond Roxboro euh, tranquillement. Et le BAM, le bureau Accès Montréal, c'était nécessaire. Et ça, on a créé un environnement maintenant pour bien servir les gens dans l'esprit de notre slogan On s'occupe de vous. Euh, le revue municipal euh, Vivre à pierre » sera distribué autour du 19 décembre qui va annoncer les activités et les événements qu'on a à l'arrondissement. Et je vous demande, si jamais, parce que la distribution est faite par un tiers. Euh, si jamais vous recevez, euh, pas, euh, vous recevez le revue municipal ou pas, ou vous recevez le revue municipal puis c'est lancé euh, à terre, euh, dans les barres de neige, euh, etc., de communiquer avec nous. Et nous, on va faire le suivi avec, euh, avec euh, la compagnie. Je peux vous dire mon expérience personnelle. La semaine dernière, euh, le Publisac que j'ai eu chez nous euh, était déposé sur le poteau de déneigeurs. Imaginez. Imaginez, les gens n'ont même pas rentré dans mon entrée, ils n'ont même pas marché pour déposer ça à la porte, ils ont mis ça sur le poteau des déneigeurs. Et à chaque fois qu'on voit ça, de communiquer l'information, s'il vous plaît, parce que nous on paye pour euh, ce service, euh, surtout pour les revues municipales, et on veut que les gens euh, soient euh, bien informés. Les samedis du citoyen sont très populaires, vous savez, on fait ça euh, chaque mois. On a une rotation entre euh, le conseil où on accueille les gens dans nos bureaux ici un samedi matin de, 9, de 10 h à 1 heure. Euh, J'ai décidé, euh, on a décidé l'année, euh, ben, il y a quelques mois, j'avais annoncé que le but maintenant c'est d'avoir ces samedis du citoyen chaque semaine. Ça veut dire que c'est pas moi chaque semaine, mais il va y avoir une rotation entre le conseil chaque semaine le samedi. Les heures à déterminer, mais je pense c'est de 10 heures à 1h heure, ou de 10h à midi, je ne sais pas, on va vérifier. Mais on va annoncer ça très bientôt euh, sur le site web et un peu partout pour euh, vous informer. Ça donne une opportunité aux citoyens aussi de venir nous voir. Euh, vraiment euh, une rencontre personnelle plus que publique, parce que ce n'est pas tout le monde euh, qui se sent à l'aise de venir ici aux séances conseil pour s'exprimer. Et là, on a créé ça chaque semaine et ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans nos bureaux.